Face à ma feuille, constatant que je suis depuis bien longtemps en état de deuil. Au jour d'aujourd'hui, combien de familles ont été anéanties par l'armée russe à grosse néantienne. Depuis trop longtemps, des enfants au Pakistan peuvent être vendus par leurs parents pour moins de 100 francs. Ainsi quotidiennement, voici comment dès l'âge de 4 ans, avec acharnement, ils s'accrochent à la vie. Ils utilisent des tapis, moyennant un roupie. L'ironie de l'histoire avec un grand H, cette ironie barbare fait que l'on sache que tout comme la grande tour, le quartier général des forces russes aurait fait établir près de son bâtiment un camp où seraient abattus allègrement des adolescents. Faut d'abord savoir comment l'on nomme cet endroit terrifiant. Ce lieu est simplement appelé, hey, le jardin d'enfants. Notre grand aussi, on est traité de médecine. Pense à tes enfants. Notre grand pour au suicide, une pratique de gémellicide. Cette torture qui consiste à te priver d'or au milieu aride. Notre grand pour au suicide, une pratique de gémellicide. Pense à tes enfants. Pense à tes enfants. Je parie sur mon avenir et à tous les coups je perds ma vie. Oui, notre monde court au suicide. La triste traite réalité revient plus acide. Dans la verbalisation il y a prise de conscience. C'est pour ça qu'écrase ce texte, c'est comme emballer les jouvences. Se trouver rajeuni par l'élixir de la vie. Se servir de celui-ci pour comprendre celle-ci. Si toi pas compris, toi venir un jour voir ma thésie. Que le destin ait voulu que tu vives à Bobigny. Que tu sois fils des achémis, tout va laisser l'acier. Sache qu'ici pas petit homme, il n'y a pas de tiépi. Surtout si tes aînés t'ont acculqué leurs conneries. Je parle au bamba homo. Ceux qui courent sur le macadam au bamba homo. Ceux qui courent dans la savane au bamba homo. Pense aux gamins de 13 ans qui deal du touchy. À 12 printemps, ils travaillent dans leur ennemi. Tu me suis. Pense à l'escouadron de la mort au Brésil qui tue les enfants sans famille. Pense, agis aussi mais réfléchis. Un présent décadent ou un futur portant se fige. J'ai choisi. Pense trop, tu leur dis. Notre monde pratique le juvénicide. Cette pratique qui consiste à pousser la troisième génération dans le vide. Qu'avons-nous à espérer pour nos enfants? Les FAMAS dans leurs mains et être bien au carré dans les rangs. À couler, couler, coulera encore au nom d'un état qui ne voit que la nation d'abord. Or, chacune a son procédé d'élimination, mais la situation se répercute. Import, export, d'enfants d'Extrême-Orient en Occident pour faire la pute. Même vu à la loupe, du cargo à la chaloupe, tout le monde bat la même soupe. Je me demande parfois pourquoi je lutte. Que ma branche chute. Dans le monde entier, c'est par flingue interposé que les pompins chahutent. Devant moi se dessine un sombre futur. Je reste perplexe, le sang d'enfant devient les larmes d'encre qui coulent sur mon texte. Notre monde pratique le juvénicide. Un soi-disant fils de la patrie paré pour un putain de parisé. Notre monde pour au suicide, pratique le juvénicide. Pense à tes enfants. Mes jeunes frères dans le ghetto, s'ils se défoncent pas au béton, préfèrent plutôt dériver sur le feu le bâton qui les perd dans les flots de la vérité. Fichiers ingurgés par les. J'expose alors la métaphorique théorie de la pluie acide qui ramasse la récolte du paysan. Les gars sont déjà vides. Cette théorie est celle du juvénicide. Insipide. Elle fait mine de ne pas exister. Mais pourtant c'est vie chaque jour dans le monde entier. Nous ne voulons plus être comptés parmi les victimes de ces doctrines destructrices. On est pas des politiques éliminatrices, promotrices d'une société définitivement sous dialyse. La tour de Pise est à terre. Notre planète tourne décidément à l'envers. Nous sommes aux prises avec un monde qui nous met le fer. Aux pieds, aux mains. Sorti destin, aujourd'hui je me bats pour le futur de nos gamins. Et ça le sens de la vie. Pour tous, pour chaque être humain. Pour tous.